Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 19 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite philosophie du matin, discerner ce qui est grave. Peu, très peu, d'événements valent l'importance qu'on leur accorde. Aujourd'hui, on termine encore dans la suite de feu, n'est-ce pas? Et là, j'ai pigé le valet de feu. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière.
Le valet de feu, qu'est-ce qu'il vient vous dire, le valet de feu? Eh bien, il dit, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Vous ou votre situation. Pour certains d'entre vous, encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Vous êtes un fonceur. Il va avoir de nouvelles opportunités, en particulier liées à votre créativité. Vous en êtes arrivé à vous attendre à l'inattendu et le feu de vos passions est toujours attisé, n'est-ce pas, par les possibilités existantes qui s'offrent à vous, même si cela implique de prendre des risques. Eh bien, vous vous lancez corps et âme dans les aventures que vos anges déposent à vos pieds. Mu par votre formidable enthousiasme, eh bien, vous restez toujours ouvert de cœur et d'esprit. Et la plupart du temps, vous vous sentez comme un enfant. Oui, vous vous sentez comme un enfant qui court vers l'entrée d'un parc d'attractions. Difficile de dire où vous trouvez votre inspiration vraiment, n'est-ce pas? Alors, parfois, encore une fois, pour certains d'entre vous, vous êtes exalté par une personne motivante qui croise votre chemin. Et parfois, ce sont vos propres recherches personnelles qui produisent, eh bien, cette étincelle. Mais cela n'a en définitive aucune importance, n'est-ce pas? Car ce feu qui brûle en vous ne s'éteindra pas de sitôt. Alors, eh bien alors filez, ouvrez la voie du succès. Mais avant, il y a une chose que j'aimerais vous demander. Pourriez-vous, s'il vous plaît, finir ce que vous avez commencé? Eh bien oui, pour certains d'entre vous, vous vous êtes arrêtés en chemin et vous ne terminez pas ce que vous avez commencé. Maintenant, appel à la conscience. Restez concentré, planifiez, veillez à ne pas vous laisser distraire par la prochaine opportunité, quelle qu'elle soit. Je vous invite à terminer une chose avant d'en commencer une autre. Ne soyez pas inconstant. Ne vous éparpillez pas, terminez ce que vous avez commencé. Alors vous êtes une personne pleine d'énergie, d'enthousiasme. Vous êtes une personne pleine de vie, créative. Ça, c'est votre personnalité. Alors il se pourrait que pour d'autres, vous ayez une promotion ou un changement de carrière. Vous pourriez avoir une très, 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 très bonne nouvelle au point de vue professionnel. Vraiment, c'est une opportunité peut-être dans le domaine des arts. Donc, soyez à l'affût de ce qui vous entoure et professionnellement, c'est une bonne période parce que vous pourriez avoir une promotion, monter en grade, avoir même une augmentation. Vraiment, c'est une belle période pour vous et au point de vue amoureux, vous pourriez faire une rencontre, mais ne lâchez pas au bout de quelques jours, parce que ce serait une belle rencontre, vraiment, c'est une belle personne qui s'annonce à vous. Donc, voilà.
Je termine. C'est une carte qui est positive, n'est-ce pas? Encore une fois. Oui, elle est positive. Je dois dire que cette semaine, vraiment, c'était beaucoup, évidemment, de cartes de feu. Je pense qu'il y en a hier aussi, avant-hier. Je pense qu'il n'y a que lundi qu'elle n'était pas de feu. Donc, on a eu 4 cartes de feu, 4 lames de feu. Alors, l'affirmation positive, j'attire à moi l'abondance financière. Eh bien oui, j'attire à moi l'abondance financière. Voilà le pourquoi peut-être la bonne nouvelle que vous allez avoir une augmentation, n'est-ce pas? Et pourquoi pas peut-être gagner au loto. J'attire à moi l'abondance financière. Visualisez déjà que vous avez gagné, n'est-ce pas? Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis un très 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 beau week-end dans l'amour inconditionnel, dans l'empathie, l'altruisme, la tolérance, la bienveillance. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez, et puis on se retrouve dans une prochaine capsule, et d'ici là, eh bien, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.